ami Philippe. Oui. Philippe. Oui. Philippe. Oui. Philippe Prader, mesdames et messieurs. Le du chien est jaloux. Le cerf. Hein? Le méchant. Je vous présente mes sincères condoléances. Bienvenue dans notre émission consacrée aux artistes. Ce soir, nous avons le plaisir de rencontrer Philippe Pranière, qui est un formidable showman que nous avons rencontré avant le spectacle. Et maintenant, c'est l'après-spectacle, donc on va lui poser quelques questions. Merci Philippe d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Je sais que vous avez un timing qui est très serré, mais ce soir, nous avons le plaisir de vous recevoir pour avoir votre sentiment sur l'après-spectacle. D'abord, merci Marie-Ange de me recevoir ce soir pour l'interview un petit peu après les spectacles un peu décalés. Mais j'ai trouvé ça super sympa de m'inviter ce soir à la Villa, qui est notre partenaire principal. Voilà. Alors maintenant, que vous répondre sur le spectacle? Ce fut une expérience extraordinaire. J'avais fait il y a 2 ans à peu près Quai des Arts. J'ai recommencé cette année à faire donc une grande salle qui est la salle du Palais des Congrès d'Atlantia, qui est une salle un peu plus difficile. D'abord parce qu'il y a plus de spectateurs. Le public est un peu plus exigeant. Hein. Et puis le spectacle était un spectacle qui n'était pas encore rodé. Donc voilà, il est advenu ce qui est advenu, c'est qu'on a fait quasiment complet. Et puis tout s'est quasiment bien déroulé. Voilà. Pour que tu vois bien les prix. 3500 euros jusqu'à 10 500 euros. Et là, tu comprends que ça veut dire pompe. Pompe Afrique. Quand je dis quasiment bien déroulé, c'est que c'est vrai que dans un spectacle où on est auteur, compositeur, interprète, on ne sait pas à l'avance qui va plaire ou ne pas plaire. Et c'est vrai que j'ai des lacunes sur certains sketchs, et c'est vrai que surtout sur la chute de certains sketchs, il va falloir que je m'améliore. Mais à 90% des choses, le spectacle était très 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 bien monté et très bien réussi grâce aux chanteurs, aux musiciens et à mes collaborateurs sur scène. Allez, filles, allez, filles. Je suis sorti avec Karine. Elle ne m'a rien demandé. Elle est si douce, elle est si fine. Elle aime ses bons yeux, c'est tout. J'aimerais toute ma vie Karine. Rien ne pourra m'en empêcher. Et la première partie en fait était assurée par un groupe Solstice qui est très connu sur Nantes. Alors, le groupe Solstice, c'est un groupe de 3 chanteurs qui évolue sur Nantes depuis quelques années, mais dont c'était le premier album de composition. Donc ils nous ont interprété 4 de leurs morceaux en première partie. Et ensuite, ils essaient de vendre leurs CD, ils ont vendu des CD après le spectacle. Quels sont vos projets à venir? Est-ce qu'il y a déjà un spectacle dans les tablettes? Alors, le ou les projets à venir dépendaient bien sûr de la réussite d'Atlantia. Étant donné ce qui s'est passé à Atlantia, et qui pour moi est une réussite à 95%, je pense que nous allons continuer, le guitariste, le souffleur et peut-être les chanteurs qui sont disponibles, à pratiquer d'autres spectacles de ce même type. Dans des salles normalement des environs, nous allons commencer à chercher sur Saint-Nazaire, sur Nantes, pourquoi pas un peu plus loin. Nous allons essayer de commencer à circuler un peu sur le département. Je crois savoir que vous avez un acolyte qui est Thierry, le guitariste, avec qui vous travaillez depuis déjà de nombreuses années. Alors c'est un acolyte, c'est un copain, hein, c'est un ami, c'est presque un frère, donc on travaille ensemble tout le temps. Lui c'est un guitariste
Et je pense qu'on a prévu de faire d'autres choses ensemble, un peu peut-être à la façon Chevalier du Fiel, un peu avec des questions-réponses, hein, et on travaillera de plus en plus ensemble, je pense. Voilà. Et quand je vois une belle, je lui fous une belle. Et entre deux chemins, je n'ai plus de la vie. Allez, salut les gars. Merci. 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 On restera toujours dans le même registre, c'est-à-dire qu'on restera toujours maintenant sur des sketchs qui ne feront pas appel ni à la politique, ni à d'autres thèmes que nous n'abordons pas, comme par rapport à mon métier, comme la banque. Mais d'ici un an et demi, quand je serai sorti de mon métier actuel, je pense que ce seront des domaines que nous apporterons. Et qu'est-ce qui inspire vos sketchs ? La vie de tous les jours. La vie de tous les jours. Et la seule chose qui est le plus difficile pour moi, c'est de me mettre devant une feuille de papier et de vouloir écrire un sketch comme ça. Je n'y arrive pas. Je ne peux écrire ou penser mes sketchs que la nuit, d'accord, quand je m'endors, ou le matin quand je me réveille. Je ne peux pas le faire autrement. Jamais. Il est passé sur le remblai, le petit train qui était passé par là, qui essayait de faire des gars. Le petit train monté sur le remblai, passé pour dîner dans la plage, monté sur l'acheté, atterri sur la bouée rouge. Je suis un peu vite. Alors, moi, ce spectacle vous a demandé combien de temps de préparation ? Alors, ce spectacle, comme j'écris tous les sketchs, hein, j'en ai écrit 12 pour ce spectacle-là, j'en avais écrit 13 pour le spectacle de Quai des Arts. Ça demande à peu près, ça m'a demandé à moi en tout cas, en tant que jeune débutant, ça m'a demandé un an et demi de préparation, avec des répétitions de quasiment une heure par jour. Dans la méthode, vous les écrivez une fois que vous les avez à l'esprit, ensuite vous les retravaillez, ils sont figés, quelle est votre façon de travailler ? Alors je commence plusieurs sketchs à la fois. C'est-à-dire je pose mes 10 ou 12 thèmes que j'ai cru reconnaître ou trouver, et puis j'essaie d'écrire tout un liant d'un coup, et ensuite j'y reviens. C'est-à-dire que mon sketch, il est positionné, façonné et terminé que des fois la veille du spectacle. C'est-à-dire que la veille du spectacle, j'ai encore une phrase que je vais rajouter parce que je trouve qu'il n'est peut-être pas assez structuré et je rajoute une phrase ou deux. Voilà, il n'est jamais terminé en fait. Et durant le spectacle, l'inspiration vient encore jusqu'au dernier moment. Par contre, il ne faut pas se louper quand on est en direct comme ça. Alors elle peut venir jusqu'au dernier moment par rapport au public. C'est-à-dire que si le public m'envoie des répliques, ça peut venir jusqu'au dernier moment. C'est plus compliqué. C'est ce que font très bien les gens qui sont ce que j'appelle les gens de haut niveau, hein, dans le stand-up. Moi, pour l'instant, c'est l'improvisation comme ça, c'est un peu plus compliqué pour moi. C'est ce que fait mon guitariste beaucoup mieux que moi. Effectivement, il est vraiment excellent et très bon interprète. Il a toujours son t-shirt à la main. Il s'essuie comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Un jour, il m'a lancé son t-shirt. Voilà, Quentin, directeur de la Villa, nous rejoint. Merci de nous avoir accueillis en tant que partenaire à la Villa. Mais de rien, mais c'est un honneur de vous accueillir ici à la Villa ce soir pour cette soirée After Work qui se passe très bien. En l'honneur de cette soirée, je souhaitais vous offrir ce livre. Dans la famille, on est passionné par l'histoire et j'espère que cette passion vous touche également. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Parfait. Merci à la Villa. Merci à vous. Merci Philippe donc pour nous avoir accordé ces quelques instants précieux. On va continuer à suivre votre parcours qui, nous en sommes certains, ne va pas manquer de rebondissements. Et merci à notre partenaire La Villa pour nous avoir accueillis dans ses murs et à très bientôt. Et voilà, maintenant c'est l'heure de notre jeu concours pour gagner un déjeuner à La Villa. Donc la question est... Quelle est la date de construction de la villa ? Merci de répondre par mail sur l'adresse que vous voyez défiler en bas de votre écran. Voilà, vous aurez le privilège de déguster un succulent déjeuner offert par notre partenaire La Villa. Bonne chance !